Okay, we are live on Facebook. Et puis nous tout prêt pour commencer. M'a salué tout le monde qui là ensemble avec nous. Moi ouais nous game Morgan, on m'a mes équipe là, moi Parvel, Raphaël, Ruben, Sandrine, m'a salué nous toutes. Bonjour, non pas moi c'est Castelline Silus, moi c'est un membre fondateur de Haiti Analytics. Moi j'ai grandi aux États-Unis, mais famille me sorti Jean-Abel, dans le département Nord-Ouest en Haïti. Moi passionné de toute bagaille qui concernait développement durable, surtout comment utiliser technologie pour avancer développement dans un pays tant que Haïti. Donc moi bien content pour là ensemble avec nous, surtout pour nous parler nous de bootcamp que nous avons lancé en avril. Ça c'est deuxième édition bootcamp data analytics que nous avons organisé. Et puis nous très content que nous intéressé dans le programme là. Moi là ensemble avec de l'autre membre équipe Haïti Analytics pour faire session information ça. Donc, ma petite présentée tête, c'est Yvel Maslin avec Marseille Sujetro. Bonjour, bonjour tout le monde. Non, pas Yvel Maslin. Moi, c'est un ingénieur électronique. Moi, j'étudie génie électronique, faculté des sciences. Après ça, moi, j'ai une maîtrise en base de données et intégration de système, Université de Nice. Moi, c'est formateur dans Haïti Analytics. Éducation, c'est passion. Moi, c'est un évangéliste éducation. C'est un grand plaisir pour moi avec nous pour nous parler de tout ce besoin qu'on a pour appliquer pour bootcamp ça. Quand on va présenter le deuxième confrère qui est avec nous, qui est ingénieur capital avec moi, avec Haïti Analytics, pour présenter cette tête-là, c'est moi, c'est sujet tout. Bonjour tout le monde, moi, c'est Getro, moi, c'est ingénieur électronique, moi, j'ai étudié la faculté des sciences. Et moi, c'est un utilisateur de technologie. Moi, je remets tout ça en rapport avec machine learning, intelligence artificielle, algorithme. Et actuellement, moi, Haïti Analytics, je travaille avec un ingénieur. Bon, moi, bien content avec nous aujourd'hui. Et je pense que nous allons avoir un peu de bagage sur le bootcamp que nous allons lancer dans le concert. Merci. OK. Donc, nous pourrions tout commencer. Et à la fin, nous avons une surprise pour nous. Nous avons quelques alumni programme là que nous pourrions présenter. Donc, pour nous commencer la présentation, je vais parler à Yvel. Et puis, si nous n'avons aucune question, pas hésiter à poser des questions dans le chat. Une autre fois encore, c'est moi, Yvel. L'instant, nous allons faire cette présentation avec nous. Nous allons partager l'écran. Session ça fait pour bon, toute expérience ou gagnant en termes de qui soit besoin qu'on ait pour appliquer au bootcamp ça. Qui ça nous porter dans l'agenda? Mais qui je ne vais faire ça, nous ne pas parler de qui est ça, Haïti Analytics. Après ça, nous ne parler de agenda formation, analyse de données. Hein? Après ça, nous allons montrer comment pour appliquer au projet ça. Avant tout, qui ça, à qui est ça, Haïti Analytics? J'en ai toujours dit ça, Haïti Analytics, c'est une grande chaîne de compagnie qui chita sur trois grands piliers. Éducation, bail consultation, recherche et développement. Dans le domaine éducation, qui ça nous fait? Nous choisissons de former et organiser bootcamp à Cancun pour nous construire une grande communauté de talents haïtiens dans le domaine de sciences données. Et dans le domaine de consultation, qui ça nous fait? Nous faisons rencontre avec l'organisation entreprise pour nous bailler toute expertise nous avec conseil pour nous capables d'innover dans le domaine. Et dans le domaine recherche et développement, qui ça nous fait? Nous essayons de poser des problèmes que Haïti a confrontés dans l'idée pour proposer des solutions qui sont profitables pour les gens qui sont vulnérables. Et qui mission Haïti Analytics? Nous avons quatre missions. Première, c'est utiliser la technologie pour améliorer la vie de monde, surtout pour tout le monde dans tout le pays et dans toute zone géographique. Et en deuxième, qui ça nous fait, nous conduire bon jeu qualité et programme de recherche qui profite pour tout le monde, surtout pour le monde qui peut venir à Dieu, encore une fois. Et dans le domaine éducation, ça nous fait, nous, essayer de garder qui jeune qui a formé, jeune ça, pour qu'il y ait des grosses technologies de si Dieu veut. Et dans le dernier, point 1, ce qui est plus important pour nous, c'est de mettre bon genre d'efforts nécessaires pour nous augmenter la diversité de monde qui veut dans le domaine de ces zones. Qui est-ce qui a l'instructeur pour ça? C'est même Yvel Maslin. J'aime te dire, moi, c'est un jeune diplômé de faculté des sciences dans l'ingénierie électronique, mais il y a plus que 7 années d'expérience dans l'informatique décisionnelle, fait dashboard et fait projet analyse de données. C'est même qui a porté tous les outils, concepts ou besoins pour participer dans ça bien propre et pour réussir l'expérience là.
Bootcamp ça l'offre fin faire qui sort bien. Ou bien toutes compétences c'est pour collecter, nettoyer, analyser les données avec Python. Ou qu'à implémenter quelque soit dashboard qui existait et créer quelque soit modèle qui existe dans analyse de données. Et en troisième lieu, ça la permet de faire ou qu'à comprendre et appliquer tout concept, outils, technologies qui existent dans ces données pour résoudre le problème. Et quatrième, ça qui est important, c'est Captain Project. Là. C'est un projet qui permet, après 4 mois de formation, ça va. Ou essayer de poser un problème que vous sentez que le pays va confronter et vous allez essayer de résoudre les données pour confirmer tout ça que vous apprenez pendant 4 mois d'expérience. Et qui j'en nous fait formation ici? Maintenant, c'est la formation en fin avril. Après, on va prendre 4 mois de formation intensive. Nous avons une formation, ça c'est grâce au parcours. On va apprendre tous les outils, toutes les technologies, toutes les méthodes qui existent dans la science de données pour qu'on ait une bonne analyse de données. Après ça, on va prendre tout le bagage pour garder dans le domaine qui problème que vous avez confronté et c'est résolu à problème. Et ça, c'est certifié que tout ce qui apprend, ou qu'on a des problèmes réels qui a été confronté et c'est résolu à et qui genre nous fait méthodologie formation ça. Pour chaque semaine, nous subdivisons en 40 temps, 17 temps que tu peux apprendre le concept dans ce slide. Bon, il fait 15 temps avec à faire des projets en fonction de ce que tu apprends. Il m'a quitté tout pour assimiler tout ça ou bien pour faire projet pour confirmer ça ou tu apprends. Et l'autre 15 temps qui est chaque semaine pour appliquer tout ce que tu apprends pour résoudre le problème réel. C'est comme ça nous fait 40 temps que nous divisons. Et qui ça ou pas l'apprendre dans formation intensive analyse de données? Hein? C'est 16 semaines formation intensive. Les premières semaines, nous avons fait introduction dans sciences de données. Quand nous avons fait un gros aller, nous avons de tout ça qui existe dans sciences de données. Après, nous avons parlé de Python. Python, son langage de programmation utilisé en pile dans le domaine de données. Comment pour extraire information, comment traiter, comment pour chercher insight qui est important de l'information. Donc, c'est les outils que nous choisissons comme programmation Python. Et nous allons faire data processing avec Python. Donc, ça, c'est tout concept qui existait, comment on peut collecter et nettoyer les données pour rendre potable, pour modéliser, pour extraire bonne décision là-dedans. Et nous avons fait coût probabilité statistique, tout ça, ça permet tout. Qu'on ait un modèle créé, est-ce qu'il traduit la réalité et à quel pourcentage fiable réalité ça traduit en appliquer dans la vie courante. On va faire exploratory data analysis. Ça permet tout à chercher information yo des données qui plus probable pour joindre bon gens information qui capent ou capen bon gens décision sur lui. On va faire data management SQL comment ca traiter et collecter toutes les manipuler données avec SQL. Et on va faire apprentissage machine 1 et comment ca essayer prendre données ça pour modéliser pour faire des insights qui assez intéressant pour capen plus bon gens décision. On pourrait faire analyse non supervisée, c'est ça qui permet tout machine dans balle données sans pas balancer d'exemple, mais lui-même il peut chercher information qui cache derrière données ça comment regrouper et avec regroupement ça ou même comment on prendre bon genre décision dans l'entreprise. Et ça qui est plus intéressant c'est dernier projet, c'est projet côté que pour aborder un problème réel à être confronté ou pour chercher données réelles pour résoudre problème ça et on confirmer compétence pendant 4 semaines à un projet que on fait pour bailler bon genre résultat. Mais ensemble de projets qui étaient assez intéressants que quand on est passé à faire. Il y a un qui était présenté un bel projet au coin de nombre époque corona, il présentait sous nom tout département qui côté sous corona ou qui a plus risque pour état empiré. Et il y a un qui était montré et comment qu'a analyser système cet haïtien, il y a pas que l'autre projet les gens, il y a un qui était fait un projet YouTube côté probabilité. Quand vous êtes un artiste, qui l'est ou t'as supposé poster une bonne vidéo pour qu'elle gagne plus de vues? Et comment tu as fait ça pour augmenter l'autre monde qui voulait abonner à vous? Ce ne sont pas que de belles projets que nous avons fait. Donc, c'est tout ça. C'est un ensemble de projets, ça, exemple projet ça que nous avons fait. Donc, ou même, vous pouvez mettre ce projet-là. Ça. Et qui ça pour besoin pour appliquer le programme? Ça faut disponible, disposer pour apprendre. Après ça, bien tout temps chaque semaine projet business qu'on va faire avec nous. Après ça, bien des guest lectures, c'est que ce sont des monde qui a évolué en sciences de données, qui gagne doctorat, qui dans tout monde là, qui a fait des présentations pour vous pour se sentir plus confiant dans l'expérience que vous va faire. Et après ça, donc là, essayer faire n'essayer garder qui jeune cas
bon ou yon encadrement professionnel haut niveau pour leur commencer stage pour qu'a aussi compétitif que tout le monde qui était là déjà. Et qui critère pour appliquer l'information si là analyse donné hein, c'est premièrement faut gagner plus que 18 ans, faut qu'a été disponible et disposé. On dit ça encore, c'est disponible et disposé ou qu'a disponible ou pas disposé pour faire. Et après ça encore, c'est prêt pour un bel niveau en anglais. C'est pas vous voulez dire que vous sauce maintenant anglais non, mais qu'a comprendre anglais parce que l'anglais son langue. Vous supposez apprendre la donne et ceci encore, vous connaissez analyse données, puis go inside you, puis go technique aussi en anglais. Nous proposons pour qu'a apprendre anglais avec nous, pour qu'a fait go expérience là. Et même date qui est important pour nous, date limite 20 mars, c'est une date qui est important pour l'offre que nous avons parlé de ça avec la prochaine étape là. Après ça, c'est payer frais ça, $250. Pas ouais comme ça, c'est un investissement fait pour tête. Ça, monsieur, certain, tout ce va prendre dans le courant, aller au-delà de comme ça. Parce que nous sommes fait 4 formations. Ou avez des ingénieurs dans tout le monde dans le cap forme ou cap boba pour qu'on ait une bonne analyse de données. Et puis, on a rassuré que vous avez un stage pour optimiser la carrière. Et pour appliquer, pour bootcamp ça, à des sites itanalytics.org bootcamp. Merci. On n'a pas le passé. Avec questions, si nous avons des questions, pour nous poser les et pour nous essayer de répondre. Merci beaucoup. Donc, nous avons tout campé là. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez des questions dans le chat. Moi, tout à l'heure, nous avons une question de la part de Rubens Valérie. Rubens dit salut. Question PAM, c'est est-ce que m'obliger à gagner un bac 2? Pour me suivre Kouyo sur programme ça. Très belle question. Question bootcamp ça li ouvert pour tout monde qui dispose et disponible pour apprendre. Nous pas regarder sous background professionnel nous de l'université passée. C'est peut-être ça, nous offrir cours en ligne ça introduction en sciences données pour tout monde qui a même chance pour appliquer pour bootcamp ça. Donc ou pas besoin bon background c'est disponible et disposé et passer test là tout. Parce que bon test final pour décanter nous. Mais background universitaire soit professionnel pas tellement important pour nous, c'est disponibilité et engouement gain pour apprendre dans bootcamp là. Merci. Bonne réponse, Yvel. N'a pas cherché moun qui gagne curiosité pour apprendre, sincèrement. Donc, nous avons une question qui sorti par Raphaël Mika Boni. Merci pour la question. En formation, ça, est-ce que la fait en ligne ou soit dans un local? Formation, ça. Nous faisons pour l'ICA fait tel que soit Jean Payay. Cette formation décide de faire en local. Parfois, nous avons fait des exercices, nous avons fait ensemble pour nous une carte contre l'autre, pour nous faire projet ensemble. Mais si Payay a l'oc, qu'on a retourné encore, nous avons tout le matériel en ligne, côté que nous avons fait expérience en ligne, par meeting Zoom avec professionnels. Son formation hybride, la fait dans la salle et la fait en ligne tout avec un instructeur qui est à l'étranger. Et même si pays à talog, on a toujours cabaye formation ça, il y a une connexion internet, on a fait quoi live sur Zoom et que même expérience sur café offline, même si pas bien tout, mais on a toujours gain toute disponibilité ressources IT analytics pour qu'a gain une meilleure expérience de avantage ça que pas faire avec nous. Merci. Et bien, on a une dernière question avant nous traverser la deuxième partie. Hein. Question c'est Tesla ou soit examen, hein? Sous qui ça l'a fait? Examen, ça sont examens qui sont plus basés sur façon réfléchie et comment, lorsqu'on problème arrive devant, comment on résoudre notre temps record. Parce que c'est ça seulement à tester. On va tester sur toute connaissance ou gain dans mathématiques, physique. C'est un test qui monte attitude pour chercher fleur ou gain pour résoudre le problème réel. Par contre, tu n'as pas ajouté Castello. Non, on pourrait vous répondre à une question. Expression en anglais, c'est logical reasoning test. Donc, la test, c'est la façon que vous réfléchissez. Par contre, qui j'en sais traduire parfaitement en créole. Il y a la façon que vous réfléchissez, la façon que l'arrivée de son problème ou aborder pour résoudre. Oui. Et dépendamment de connaissances transversales ou gain. Alors, je souhaitais que ça réponde à une question, Jacques. Et puis, on a tapé campé là, et puis on a pris une reste question après la deuxième partie. Hein? Même quoi, il y a des gens qui peut-être ont des questions sur comment vous postuler. Si vous intéressez, le programme, ça, c'est un programme où tu as envie de faire. C'est qui côté pour aller pour remplir l'application? Qui est à différent
qui gagne dans processus application. Hein? Donc, n'a pas le parole à Marseillus pour le cas de nous, c'est qui Jean ou qui a postulé pour bootcamp plan si le programme ça intéressé. Ok, on l'autre fois. Merci d'avoir passé par la Marseillus ingénieur. Ok, bonjour tout le monde. Donc, je vais montrer nous étape pour nous faire pour nous capables d'inscrire. Donc, premier bagage, c'est que nous montons sur le site itanalytics.com et puis nous allons dans la partie éducation. Donc, là, nous arrivons là, nous allons dans la partie itanalytics bootcamp et puis nous cliquons. Nous avons besoin par exemple, qui gagne information sur bootcamp là, par exemple, conditions d'admission, sous-date, etc. Mais ça qui intéresse nous, c'est ce bouton ça qui là, qui dit cliquez là pour inscrire. Donc, automatiquement, on va cliquer sur lui. Li a redirigé vers PAISA, côté moi capable remplir formulaire qui gagne une série de questions que Aït Analytics va poser nous. Par exemple, il dit qui first name moi, donc on va mettre Marseillus, qui est last name, on va mettre GFO, et email address, bon, on va utiliser email address, ça, numéro de téléphone. Et puis numéro WhatsApp c'est différent. Bon, nous pas obligé répondre remplir tout formulaire net si nous pas décidé répondre, mais celle ça que nous a besoin c'est ça qui est asterix yo qui obligatoire pour répondre. Donc automatiquement là nous finir remplir formulaire, OK qui là, c'est complete. Et puis on a besoin information ça qui a dit nous. Merci parce que vous faites soumission. Vous allez recevoir un mail de bootcamp.itanalytics.com. Donc, si vous allez recevoir un mail là, gardez vous essayer dans ce spam, il va tomber. Donc, là, vous avez un mail là, c'est ça que vous avez besoin. Bon, et Abdou, merci parce que vous avez choisi de remplir la forme. C'est la première étape pour capable participer dans le bootcamp. Deuxième étape là lui-même il consiste à qui ça c'est inscrit dans cours prérequis qui c'est introduction à data science que nous avons joint dans cours dataanalytics.org. Automatiquement on clique sur cours dataanalytics.org, il va vous diriger dans plateforme ça, on capable voir tout cours yo, cliquer sur tout cours yo et puis moi voir cours introduction à sciences zonière. Moi clique sur cours ça. OK. Et puis, il y a des informations sur quoi, instructeur nous, Yvel Moslin. Et puis, je vais cliquer sur bail, je vais cliquer sur inscrit. Et puis, quand je vais cliquer, je vais rediriger vers PAISA qui a dit que je vais créer un nouveau account. Bon, ça, c'est si je vais créer un account, si je vais créer un account, je vais sign up. Bon, comme je vais créer un account, je vais créer un account femme. First name, Marseillus. Last name. Chez toi. Pour email adresse là, ça très important, faut nous utiliser même email que nous avons enregistré dans le formulaire. Ça extrêmement important. Et puis moi mettre un mot de passe. Et puis moi cliquer sur sign up. OK. Donc on a là moi enregistré. Moi j'ai trois options pour payer quoi. Moi j'ai payer avec code de crédit, moi j'ai payer avec PayPal et moi j'ai payer avec mon cash. Donc comme on connaît que mon cash c'est peut-être la plateforme qui est facile pour nous d'avoir accès à elle. Bon, on va dire que on va cliquer sur payer avec mon cash. On va cliquer sur payer avec mon cash, il va vous diriger moi vers plateforme ça qui c'est plateforme mon cash là qui a mandez-moi en tenir mon téléphone moi avec pin mon cash moi pour capable payer. Donc si par exemple là en tenir mon téléphone moi numéro téléphone GSM moi et puis mandez pin moi après ça va cliquer sur payer. Qu'on a mon cash vous va le voir au code bout sur téléphone ou après code ça ou entrer là et puis après ça vous cliquez send. Donc automatiquement l'offre fait ça, on a tout enregistré dans quoi et puis on apparaît dans pas ça.
Alors, maintenant, par ça, on a tout ouvert introduction à la science donnée, qui c'est page côté moi bien accès avec vous là. Mais l'importe ici, c'est les enregistrer, je vais cliquer dans My Dashboard, je vais pas ça. Donc, automatiquement, je suis capable de cliquer sur Start course pour me capable de commencer le cours. Et pas oublier tout, nous avons jusqu'à 20 mars pour nous fin compléter le cours net, finir avec tous les devoirs pour nous capable de passer à step 3 dans le processus pour inscrire pour le bootcamp. Merci. Par contre, si vous avez une question par rapport à ce que vous présentez là, si tout le monde est clair. Oui. Si nous avons une question sur le processus là, s'il vous plaît, posez une question. Ça, nous avons Obed Charlot qui dit mon temps pour PEA, c'est combien, s'il vous plaît? Donc, coût pour le client, c'est $20. Et Jean-Marcel s'est expliqué, il y a une possibilité pour payer par carte crédit, par mon cash, ou soit PayPal. Et c'est coût pour le client. Si vous payez par carte de crédit, là, c'est $ carte de crédit. Si vous choisissez payer par mon cash, là, il y a converti là tout du jour pour vous, tout BRH Bailan, et puis vous pouvez payer là avec compte mon cash. OK. Et ça, moi, je vais préciser, c'est que Marseillus t'a montré nous des premières étapes pour suivre avant date limite, là, avant mars 20. Ces premières étapes-là, c'est pour remplir un formulaire qui prend 10 à 15 minutes. Et puis, deuxième étape nécessaire, obligatoire, là, c'est pour compléter cours prérequis, qui c'est un cours qui a présenté tout concept clé de sciences données. Donc, c'est deux étapes-là qui sont obligatoires pour continuer dans. Troisième partie processus là, qui c'est un examen, et puis quatrième partie hein, c'est des interviews qu'on va faire avec membre équipe IT Analytics là. Et après toutes quatre étapes ça, nous pouvons choisir 20 jeunes pour participer dans la deuxième édition bootcamp là. Donc je crois que ça répond plusieurs questions qui étaient dans le chat là concernant qui ça qui est à différent yo. Et puis, combien de monde qu'on a choisi à la fin. Bon, checker le chat là pour essayer une autre question. Si moi inscrit là. Il y a un monde qui m'a dit dans quelle langue Tesla a fait. Donc, j'en ai noté programme nation, programme bilingue. Donc, ça veut dire nous avons contenu en créole et en anglais. Donc, examen a fait en anglais. Ok, donc nous avons plusieurs autres questions là. Pardon si nous n'avons pas de chance pour nous arriver à adresser toutes. Alors, en bon point en question qui était posée Pi Bonheur par Yannick concernant le programme là, ce n'est pas forcément concernant le processus d'application. Hein. Yannick, m'a dit nous. Léon moun pa gen trop expérience dans programmation SQL et la trier qui pi bon façon li ka préparer li. Ça qui te peut-être Yvel répondre question ça. Si on gen trop expérience dans programmation, c'est qui ça ou t'a conseillé? Est-ce que programme ça a fait pour yo? À vrai dire moi pensé moun ki n'a psychomé tout moun ta cuisiner, tout moun ta venir en liste donné. Il suffit que gen temps et disponibilité. Et consentement. Tout bagaille que ou a venir dans cours ça, tout bagaille qui gain pour apprendre n'a outre yo. Il n'a fait en sorte que même si ton novice pas comme en programmation, l'offre une bout de plan, non seulement apprendre programmer, apprendre SQL, apprendre tout l'autre outil avec technologie qui existe dans sciences données pour qu'avec nous bon dans les zones. Ou pas besoin inquiéter sur pas comme Python, sur pas comme SQL, c'est pas ça qui nécessaire. Il pensait que application c'est juste la base sur façon réfléchie et façon logique pour répondre. Ça ne pas dépendre de qui soit qu'on est dans SQL, qui soit qu'on est dans Python. Vous n'avez pas besoin de ça pour appliquer. C'est seulement est-ce que vous avez une capacité pour raisonner bien face à un problème. Par contre, si vous répondez à la question, ça. Ok, mon autre question encore. Bonjour. Est-ce que
Oui, donc, je vais encourager tout le monde qui peut inscrire ce cours. Je me dis, c'est à l'inscrit plus rapide. Courant ou qu'à passer une semaine sur le temps. Son cours maximum 30 temps qu'à finir. C'est peut-être devoir pour corriger yo cap printemps, mais essentiel poster tout devoir yo. Tout devoir yo encore poster avant 20 mars. Parce que après 20 mars, si pas fini quoi, on pas capable participer dans deuxième étape. Merci. Et pas oublier tout moun ki rempli form là, s'il vous plaît, est-ce que sou quoi payer $20 parce que sou pas payer $20 pour prendre coup prérequis, ça veut dire application pas fin complétée. Et nous partageons mais que pour penser ou appliquer au final tout le bagage, ce que nous avons pour prendre ou pas prendre courant et ou pas participer dans la deuxième étape. Je encourage tout le monde qui remplit la forme, fait tout effort que possible sur ça, commencez courant et qui commencez courant qui vivent nous pour finir avec, ou soit poster tout le monde et pour passer dans l'étape prochaine qui c'est interview avec l'examen final. Merci. Et puis pour le monde qui a une question sur tout détail, ça, moi tout partager lien. Site web nous qui c'est haitianalytics.org/bootcamp qui gagne toute information sur état différent. Yvelle, par contre, tu vas prendre plus de questions. Nous gagnons temps. Nous gagnons une question de la part de. Une question anonyme. Il dit est-ce que gagne boost pour formation hein? Si oui, qui critère pour un monde qui bénéficie? Donc, formation subventionnée, donc ça veut dire nous gagnons des partenaires qui. Cap supporter nous pour réduire prix hein? Donc prix programme là de 150 ans il est extrêmement réduit donc ça veut dire pas gain en boost pour couvrir toute dépense net donc bien que si on moun accepte dans programme là et puis on montre nous yo pas qu'arriver payer 250 ans complète mais yo gain 200 nous pas quitter au frais tu as dit ça mais essentiellement pas gain boost pour couvrir toute dépense. Donc, nous demandons si vous intéressé dans le programme, frais 250 ans, c'est un investissement lié dans l'éducation et puis dans la carrière. Je souhaite que ça réponde à la question. Nous avons l'autre niveau. Vous avez une question intéressante qui pose sur l'âge. Donc, avec dire, pour que ça nous commence, parce que nous avons un engagement toujours fait par les gens majeurs. C'est peut-être ça, peut-être que nous commençons à 18 ans, mais si on a une école, il y a 17 ans, il y a un monde qui accompagne. Peut-être qu'il y a 16 ans, 17 ans, il y a un tuteur qui garde pour lui. Peut-être qu'il y a suivre pour ça. Et on peut mettre grand monde, ou mettre plus que 50 ans qui pour ça. Parce que ça nous voulait, c'est une mission, nous, c'est augmenter la diversité dans le domaine de sciences de l'année. Donc, quel que soit l'âge, quel que soit le cadre social, ou quel que soit la couleur, ou qu'il y a venu pour nous, c'est nous pas faire. Nous faisons attention de ça. C'est tant que nous avons augmenté la diversité, ça, tant que la plus bon pour nous aider à être avancé dans le domaine. Combien de temps formation a duré? Formation a duré 4 mois. 4 mois cours intensif, 8 temps chaque semaine. Donc, chaque jour, 8 temps chaque jour pendant 4 mois. 16 semaines cours intensif. Merci. Donc, si pas rien question toujours. T'as dit, nous allons passer dans la dernière partie présentation. Si nous pas rien d'autres questions, bon, checker chat là une dernière fois. Pas hésiter à poser question. Et puis encore, m'après digérer nous vers site web là. Si nous voulons plus d'informations sur le programme année dernière, nous t'ai publié tout aspect de première édition programme là sur site web noir. haitianalytics.org/bootcamp. Quand on parle de ça ne dit président des étudiants qui parle expliquer nos expériences sur le bootcamp là et parler un peu de projet que tu fais comment tu réaliser et qui j'en faire de ça et comment yo grandi dans stage parce que bien 6 mois stage comment yo grandi professionnellement donc mal passé à premier monde qui c'est Max qui parle nous de tête de expérience en cours. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Max Avel Jacob, une ancien étudiant bootcamp IT analytique. Moi content là ensemble avec nous pour capable parler nous de expérience moi dans bootcamp là et expérience moi en tant que stagiaire qui me déjoigne après participation dans bootcamp.
Bootcamp là était vraiment intéressant. Il y a des séries de termes que vous êtes content de parler de déjà tant que sciences données, intelligence artificielle, machine learning, deep learning. Moi j'ai seulement gagné une vague idée de sans que me battre vraiment compte qui ça a été. Eh bien, dans le bootcamp là, je devine bien une connaissance qui approfondit sur tout ça, tout terme ça que me connais déjà, me devine une connaissance approfondie sur yo. Une base intéressant encore qui était faite pendant bootcamp là, nous travaillé avec une base ça nous va travailler ensemble avec pendant bootcamp ça, c'est données. Eh bien pendant bootcamp là, on va apprendre et moi-même tout me apprendre qui j'aime travailler avec données, qui j'aime structurer données, qui j'aime faire données ou parler, qui ça me capable joindre les m'a travailler avec données, qui message ou qui décision capable prendre lorsque moi-même fais structurer données et puis faire données en parler, moi qui ça me capable tirer de données. Et mais c'est même expérience que moi-même tout va gagner pour faire dans bootcamp IT analytics là. Actuellement m'a fait stage moi dans DSL toujours dans centrale là dans département ressources humaines. Moi vraiment pas capable idée sur ça m'a travail là parce que et projet à confidentiel même capable dire nous que projet vraiment intéressant. Donc sûr que expérience là tout aussi intéressant pour nous décider participer dans bootcamp là et pendant formation et pendant et pendant stage. Merci. Mike là pour expliquer une belle expérience qu'il a fait avec nous dans bootcamp. Bonsoir tout le monde, moi c'est Chelsea Dalcide, une ancienne participante du bootcamp IT Analytics organisé. Ça m'a dit que m'apprendre un peu le bagage, moi pas quand rien de données ni de machine learning ni de rien de ça, mais seulement ça moi été informaticienne, moi j'ai déjà gagné plus ou moins base dans programmation. Et puis expérience moi fait dans bootcamp ça c'est que moi côté un peu bon monde qui est toujours là avec nous malgré que pandémie qui était toujours là à enseigner nous qui était toujours là motiver nous et qui fait je donne je suis à moi ici et puis moi passer bootcamp là actuellement moi dans stage digital dans mon cache moi apprendre un peu de bagages sur database sur SQL donc c'est vraiment intéressant moi pas vraiment attendre avec toute belle expérience ça yo. Donc, je vais encourager nous finir parce que c'est une belle initiative et qui va pousser que nous sommes professionnellement. Merci. Une autre fois encore, merci Chelsea pour ton partage de ça. On n'a pas le dernier, je vous ai dit, c'est mon stage à la fois du 7, c'est Pedro. Bonsoir tout le monde. Non pas moi, c'est Johnny Litou, Johnny Tejani, et ingénieur informaticien et électronicien de profession. J'ai deux collègues qui ont présenté Bootcamp. Non, moi, ça m'a dit, je dis expérience par exemple dans Bootcamp IT Analytics, c'est un peu bon bagage. J'ai appris pendant la période 2020. Oui, j'ai fréquenté ça aurait les domaine informatique là on dit en bon idée de data science mais IT analytics me permet me connait ça qui data science en vrai sens dans ce sens moi t'ai plus fait relation et data science avec database administrateur ça veut dire monde qui a collecté données qui a fait gestion de données mais au fond je viens de comprendre que premier bagage pour gagner dans mon ça c'est données et IT analytics c'est montrer qui j'en moi qu'a fait premièrement chercher ça les données parce que dans domaine informatique la donnée c'est une bagage qui est difficile pour joindre obligé scrapli yo apprendre faire ça yo apprendre nous traiter données traiter pour nettoyer pour venir rendre une structure qui normale afin que ca tirer des décisions sur les et yo apprendre nous machine learning yo apprendre nous tout une base encore qui c'est Python et puis gros bagage moi t'ai fait tout en 2021 dans bootcamp IT Analytics c'était projet final moi malgré toutes difficultés me rencontrer pour me joindre données pour me travailler sur l'IA c'était faire prédiction
et sur le retard de vol. C'est une plus grande difficulté de rencontrer, mais à partir de ça, je apprends et à partir de recherche que je fais personnellement, je suis arrivé à réaliser pour ça. Malgré que je m'a apporté des améliorations à donner et tu as de nos collègues qui te présentent de belles projets tout et m'a encouragé nous m'a boosté nous pour nous participer à nos activités comme ça. Oui, pour terminer de dire nous que moi c'est data analyst parce que pas vraiment en fait tête moi au niveau de ça mais c'est data analyst dans le département ressources humaines dans digicel confidentialité sur un professeur de pas permettre de nous ça m'a fait mais au moins m'encourager nous venir participer dans bootcamp. Merci. OK. Merci Hamilton. Une autre fois encore, merci. Merci pour toute belle expérience ça. Si des questions, si nous avons posé quelques questions, nous quitter quelques minutes caster nous proposer. Si vous gain ou t'as rien connaît plus, ou t'as toujours posé des questions sur l'organisation de bootcamp, de qui sont pour l'apprendre, de processus et l'offre de bootcamp, qui sont à rien meilleur. Donc, tu as un petit temps pour poser des questions. Après ça, on passe à Mike Lambert-Castelline pour dire mon final là. Et merci. Alors, ça me dit que moi, inspiré par l'alumni, le travail que tu arrives à faire, et puis même rêve que tu gagnes pour ça, au café avec tout. Compétences que vous avez apprendre pendant le programme. Là. Ça inspire chaque jour. Vous avez posé une question. Vous posez une question à chaque tout stage, c'est dans le digicel. Non, parce que nous avons un paquet de partenaires qui ont supporté nous. Nous avons Sunrise, nous avons Focal, et nous avons digicel, nous avons un paquet d'autres partenaires qui sont assez intéressants qui supportent le travail. Ça. Et ça va. Seulement dit celle que nous avons installé, ça arrive que l'autre partenaire ou un projet assez intéressant. Il fait nous. Ça m'a suggéré de faire des projets pendant la présentation qui a fait partenaire intéressé à l'en. Proposer des solutions qui orientent l'entreprise dans le projet Capstone. Deux problèmes où on est que, sinon, peut-être dans le domaine de santé, problème qui est dans le domaine de santé, et c'est venu des problèmes où on est que. Telle organisation, il y a un problème, ça, il y a une solution, pour lui, au moins, il y a abordé nous tout. Donc, je vous encourage, pour tout le monde qui est dans le programme, ça, solution, ce n'est pas solution, terre à terre, mais solution que, au cas, si vous partez de lui pour aider les paysans et les institutions avancées. Merci. Nous avons une autre question que moi, qui est très intéressante. Qui possibilité n'a pas avec les gens qui n'ont pas arrivé dans la dernière étape là? Côté au choisi 20 moun là. Yvel, par contre, si m'te li question ça vient, si vous comprenez lui. Y'a moi qui pose une question. Non, question c'est que qui possibilité n'a pas moun qui pas arrivé dans la dernière étape là, côté nous choisi 20 moun. Bon, généralement, on va dire coup ça donc son coup qui fait réduit parce que nous connaît que notre critère là, toute assistance ça ne pas gagner sur ça c'est nécessaire pour nous faire. Mais ça nous envie faire, c'est que tout cours qui fait dans cette session 20 mois, il est disponible à un prix que tout le monde a acheté. Et si vous même travaillez déjà, ou est formation intensive, pas bon pour vous, mais se mettre quoi son plateforme, vous pouvez apprendre pour contre, vous pouvez jouer, vous pouvez corriger de voix pour vous, vous pouvez avancer. Sinon, ça ne va pas essayer. Essayez de mettre tout panoplie de cours en ligne, quand vous même vous achetez là, vous pouvez abandonner et faire progression pour contre. Ça pas besoin, vous pouvez fournir tout effort ça, intensif ça. C'est ça qu'on a essayé de faire. OK, bon, ouais, peut-être nous allons tout clôturer. Bon, moi, c'est une dernière question que nous allons prendre. En termes de moyens de contact, comme on t'a dit, on t'a suggéré tout le monde aller sur notre web nous pour plus d'informations. Mais si vous voulez contacter nous directement, vous pouvez arriver à joindre nous sur bootcamp@itanalytics.org. Bon, m'écrire. Là, dans le chat. Hein? Et puis, pour tout le monde qui était réservé pour participer dans le webinaire, là, on a besoin d'enregistrement session ça avec toute information nécessaire. Donc, m'a tout partagé information concernant adresse email pour contacter nous et puis site web en côté pour appliquer. Donc, pas inquiéter sous ou pas joindre information dans le chat. Là.
C'est bootcamp, adresse email, c'est bootcamp at ietanalytics.org. Oui, il y a un monde qui pose une question qui est assez intéressante. Est-ce que tu as fait projet final dans le domaine blanc? Science donne son sens qui est transversal, qui touche tout domaine. Quel que soit le problème que tu as confronté en Haïti, qui était dans la santé, qui était dans le droit, monde, qui était dans l'énergie, c'est venu des projets que solution ou résoudre le problème vrai, on pose un problème réel. Et les multidisciplinaires. Dans quel que soit le domaine où il y a un projet qui est après, ou qu'il y a un résultat résoudre à donner, proposez le. Parce que nous sommes là bon pour carrière et on aide des gens qui ont des problèmes ça tout parce que la vie et permettre que Haïti développe. Good. Merci, Yvel. Oui, on a cherché des gens qui voulaient traiter des problèmes dans la communauté avec compétences données. Avec données, exactement. Donc, on a tout terminé là. Moi, je veux remercier l'Alumni Programme. Moi, je veux remercier toute mon équipe Haïti Analytics qui t'a aidé à préparer pour. Événement ça, Arceus, Map Salio, Yvel, Map Salio. Il y a d'autres membres qui parlent, qui écrivent. Oui? Vous voulez vous remercier à la préparatrice, Panel Zaki, qui a réalisé Gopokin Chen, événement ça très bien. Ou Gopokin Chapo, Patrice, Gopokin Chapo Ba, même si il n'y a pas parlé, mais quand il y a un petit coucou, tout petit, vous ouais. Oui, nous avons une autre équipe qui est là avec nous, Patrice Nicolas Tardier, qui t'a aidé nous. Fait tout aspect technique pour présentation. Par contre, tu as dit quelques mots, Patrice. Bonjour, bonjour tout le monde. Je prends une surprise, je vais te préparer pour participer à la présentation aujourd'hui. Je vais te dire une technique derrière. Alors, j'ai envie de parler avec Cassine Tinois. Programme ça, c'est un programme qui est extrêmement intéressant. Parce que lui permet de nous bagarrer en l'autre champ. Vous êtes tout le temps à poser peut-être une question. Si je ne peux pas rien donner, je ne peux pas connaître. Donc là, je pense qu'avec la première équipe que nous avons là, qui font un stage de l'autre côté, il est important que nous comprenions que la communauté s'est bâtie dans la bâtie. Donc plus nous commençons à gagner, plus nous avons participé, plus nous avons des remédies, plus nous avons des gens qui pourront partager la parole de la science. Plus on est capable d'adresser les problèmes du pays en l'autre champ. Et même, absolument pas problème pays. Il y a des fois, c'est des problèmes que même nous arrivons à résoudre dans le business, dans le business par nous, ou dans les activités que nous avons fait en général. Donc, moi-même, absolument invité à nous participer, checker nous, suivre nous sur Facebook, suivre nous sur Instagram, suivre nous sur Twitter, nous sur LinkedIn. On va essayer de collecter tout le monde qui est intéressé par ces données, comme ça, nous sommes capables d'assurer que nous commençons à mettre ça, moi-même, répéter. Mais des chiffres sous feeling que nous gagnons dans le pays. Donc, ma première, c'est l'équipe là, tout d'abord, nous avons avec un bel programme ça et tout effort que nous mettons pour créer le contenu et pour recruter tout le monde. Donc, nous avons souhaité que nous gagnions plus de participants et nous avons plus de monde qui nous joignent, que ce soit pour Bootcamp ou dans notre activité que nous gagnons, dont formation en ligne de la vidéo au fur et à mesure. Donc, continuez à checker ça à faire tout en avoir des de nouveaux activités. On ne va pas prêter plus longtemps. Donc, je m'en prie par Nico Abaïtel et puis Castine, je vais capable de faire sur la photo. Merci. Oui, ma petite dernière mois. Donc, n'attendons-nous, date limite-là, c'est 20 mars. Donc, ça veut dire nous avons 2 semaines pour nous remplir formulaire et puis pour compléter le coup pré-écrit. N'attendons surtout jeunes filles qui sont intéressées dans le domaine technologie pour appliquer, postuler et puis pour rentrer dans un domaine très, très, très intéressant. Ça. Donc, c'est pas quitter le temps passé. Si on est intéressé à la science donnée, appliquez Kounia. Là. Je dis, fini, tout à l'appliquer. Donc, je suis certain que vous ne pouvez pas vous regretter. Et nous envisageons, j'ai cassé ça, mesdames, nous assurer la diversité dans la science donnée. Appliquez pour nous gagner plus de diversité, filles ou garçons, pour nous venir. Bon, des bonnes analyses de données et continuer à booster la carrière, nous, dans quelque soit discipline. Merci beaucoup. Portez-nous bien et à bientôt.